Hey, bonjour à tous, ici BoubouFan pour ma première vidéo de Let's Play. Let's Play qui sera sur Chameleon Twist. On a une magnifique vidéo, allez hop. Vous voyez, là c'est moi qui joue en fait. Bref. Bienvenue dans ma première partie de Let's Play sur Chameleon Twist, un jeu sorti sur Nintendo 64 en 1997. Et... un let's play, c'est une vidéo de jeu vidéo où vous me suivrez pendant toute l'aventure. Et mes mésaventures aussi. Faut pas croire que je suis aussi bon que ça. Allez, on est parti, nouveau jeu. Alors, personnellement, j'ai toujours pris Linda. Je ne sais pas, Linda m'inspirait la confiance. Et voilà. Je me souviens que toutes mes aventures, je les ai faites avec Linda. Sauf une fois avec Fred. Mais bon, on peut choisir Davy, la force rouge. Oui, c'est très rouge. La force bleue. Jack, la force verte. Fred, le démotivé. Et Linda, la seule fille du groupe. Et pour pas changer des habitudes, on va prendre Linda. Allez hop. Il fait un beau temps. Je suis un magnifique caméléon. En retard, je n'ai pas de temps à perdre. Oh my god, je suis en retard. Faut que je cours. Oh là là, il est déjà 2 heures de l'après-midi. Pourquoi est-ce qu'il est aussi pressé? Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'un caméléon. Alors que moi, je suis un lapin. Non, te transforme pas en soupe! Le curieux petit caméléon suit le rabbit, le lapin. Oh! Oh, ça m'a donné faim, ça, tout ça. Allez, j'y vais! Et on est parti! Waouh! Oh, j'ai changé de forme! Je suis belle! On voit déjà que je suis une femme là, d'un coup. Je me demande où est-ce que le lapin y est allé. Et bienvenue dans Let's Play. Et le lapin, il est juste là. Ici, c'est le monde de la jungle. Le portail vers un monde mystérieux. Va à la salle d'entraînement si tu veux pratiquer les contrôles de base. Non merci, ça ira. Je n'ai pas besoin de ça. Et bienvenue dans cette première partie de mon Let's Play, alors, même si je l'ai déjà dit en début, où vous me suivrez dans Chameleon Twist. Alors, Chameleon Twist. Personnellement, je n'ai pas commencé le jeu vidéo avec Super Mario 64, mais avec Chameleon Twist. C'est le premier jeu qu'on m'a offert. Et clairement, j'en garde de très bons souvenirs. Hein. Allez, on est parti. Alors, c'est un jeu de plateforme simple. Assez simple. Et sur le chemin, on doit ramasser des sortes de couronnes. C'est pas des sortes de couronnes. C'est des couronnes. Qu'est-ce que tu dis, Bouboufane? C'est pas bien. Arrête de mentir. Et Linda, elle est très contente. Je crois qu'il y a 30 couronnes par niveau, je suis pas sûr. Mais bon. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Je suis en train de planter. Ça commence bien. Non, il n'y a pas de couronne ici. Je vais essayer de ramasser toutes les couronnes pendant mon aventure. Je sais pas si je les ferai à 100%, mais je vais essayer d'en ramasser un maximum. Oh, les méchants hérissons. Niam, niam. Linda, tu peux y arriver. Oui, je chante très mal, mais bon. Allez, Linda, il y a une couronne ici. Oui, donc du coup, c'est le premier jeu que j'ai eu quand j'étais petit. Et franchement, je me souviens que j'y passais des heures entières. Aussi loin que je m'en souvienne, en tout cas. Là, il y a une couronne. Ah! Premier dégât de l'aventure.
Allez, c'est parti, Nida. Donc du coup, ah, il y a le poisson, y'a. Eh, le vilain poisson. Miam miam, des sushis. Et donc du coup, ce jeu, il est pas trop compliqué. Franchement, il est pas trop compliqué. Mais c'est vrai que des fois, la maniabilité peut être un peu un problème. Allez. Non. Deuxième point, vie perdue. Je vous l'avais dit, quand même. Ce jeu est quand même pas aussi facile qu'il en a l'air. Allez, monte, Linda. Tu peux le faire. Alors, il y a une suite qui est sortie, personnellement. Mais je pense pas la faire en let's play. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que, autant le 1, j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup, c'est très champêtre. Oui, c'est très champêtre. Allez, Linda! Mais Linda, pourquoi tu n'as pas envie de monter? Je ne veux pas monter! Tu ne m'y obligeras pas! Allez, on rentre! Et bienvenue dans la grotte! Oui, pour revenir, le Chameleon Twist 2 est sorti, aussi sur Nintendo 64, mais je pense pas le faire en let's play parce que, franchement, les couleurs sont vraiment trop flashy. Non, je ne peux plus retourner en arrière. Oh, mais je suis accueilli par deux copains. Allez, mange. Oui, donc je vais pas le faire en let's play, je pense. Désolé pour ceux qui l'attendaient. Qui l'attendraient. Qu'est-ce que je fais? Parce que franchement, ces couleurs sont trop flashy, aux deux. Alors que le premier a quand même une certaine esthétique. Ah oui. Petit conseil. Je fais un peu n'importe quoi, mais bon. Si vous êtes nul, comme moi, quand j'étais petit, oui, parce que je n'arrivais pas à faire ce passage, c'était trop dur pour moi. Honte à moi. Bah, vous pouvez passer là. Ici, c'est le passage des nuls. Ou si t'as pas envie de te fatiguer. Comme ça, t'as pas besoin de faire le jeu. Et voilà, on est en haut. Allez, continuons. Non, des araignées! Miam, 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 miam. C'est pas grave, moi je mange de tout. J'ai pas peur de manger des araignées. Allez. Oui. Oh, la vilaine. Elle s'est suicidée pour sa... pour sa ruche. Pour sa tanière. Bon, toi t'es gentil, je te laisse en vie. Allez hop, on continue. Attends, j'ai pas oublié une couronne par ici? Ça m'étonne. Non. Bah alors c'est bon. Peut-être qu'il y en a une comme ça? Non. Allez, on est reparti. Oh, le vide. Magnifique bruit de fond. Allez hop. Allez Linda. Voilà. Non Linda. Linda n'a pas l'air très coopérative. Linda n'est vraiment pas coopérative aujourd'hui. Non! Bon, je crois que je vais passer par l'autre côté parce que là, je vais épuiser toutes mes vies. Sinon. Alors. Bien évidemment, on peut récupérer de la vie dans ce jeu. Faut quand même pas abuser. Les rouges, ça rapporte un point. Et les oranges, 2. Donc voilà. Si vous voyez des oranges, prenez-les. Bon, si vous voyez des rouges aussi, mais voilà. Voilà. Non, Linda! Linda se sent d'humeur suicidaire aujourd'hui. Oh, je suis pas très motivée, hein. J'ai pas très envie de faire de l'aventure. Elle n'a pas l'air très motivée. Allez, pièce suivante. Oh, des couronnes. Je la veux. Ah! Il y a des Donkey Kong qui se sont réveillés. Ah. Allez, golem, mange. Bah, vous voyez comment battre Donkey Kong. Alors, pour battre Donkey Kong, faut lui envoyer des araignées. Vous ne saviez pas, hein,
que le type roche dans Pokémon, il était sensible face au type insecte. Bah voilà, vous le savez maintenant. Magnifique cœur jaune. Les jeunes, je me souviens plus combien ils en donnent. Je crois ils en donnent... je pense... 3. Bah oui, les rouges donnent 1. Les oranges 2. Les jaunes, ça doit donner 3. Allez, on est parti. C'est parti. Chamboule tout, chariot. Et Linda devient fou. Alors, on est 22 couronnes. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Je sais plus s'il y en a 25 ou 30, je ne sais plus. Yeah. Ouf. J'ai cru que Linda allait mourir, là. Ouf. Allez, c'est parti. Cherchons la deuxième couronne, là-haut. Ah oui, par contre, les petits malins, là, qui veulent prendre les couronnes avec la langue, bah, c'est pas possible, hein. Faut aller les chercher par vous-même. Sinon, ça serait quand même trop facile. Allez, miam, miam. Et là, on est à 24. Oh. Mais qui c'est? Oh, c'est Donkey Kong, le vrai, le vrai. Oh, il est fâché. Oui, Donkey Kong avec une banane sur la tête. Il a pas l'air très content, en tout cas. Qu'est-ce que t'as, Donkey Kong? D'habitude, t'es pas aussi fâché. Eh oui, pour battre Donkey Kong, il faut lui envoyer des papillons. Des magnifiques papillons. Allez, papillons! Allez, papillons! Vous pouvez battre Donkey Kong. Non, Donkey Kong! Je te rejoins, mon ami! Oh! Ah, ça doit faire mal. Ah! Oh! Linda, comment oses-tu danser devant Donkey Kong? Ah, j'en ai loupé une. Bah voilà, le monde 1, Jungle Land, est déjà fini. Et je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui, ça fait déjà 13 minutes. Bah, à la prochaine pour la suite des aventures. En espérant que ce let's play vous plaira. Et la prochaine fois, on ira dans le monde 2, Ant Land. Le monde des fourmis. Bah, à la prochaine. Bonsoir à tous.